On s'en retourne vers Matane. Il y a de la mouche. La mouche. Ça fait que je sais pas combien de temps je vais rouler sur les routes de terre, mais on va aller apprécier quand même le paysage. Parce que ça, j'ai l'impression qu'on va monter un peu dans les montagnes de ce que j'ai cru voir. Ça fait que ça va être le fun. Hein? On continue à vous montrer ça. Le 4 qui est quand même, malgré tout, un chemin principal. On va monter cette petite côte-là. Parce qu'en haut, c'est fou. Hey, ça c'est bon ça, un arbre en plein milieu de la trail quand ça fait 3 heures que tu roules. Fourré, j'en tourne pas de bord moi là. Mais je pensais pas qu'en traînant une skill à batterie pour le fun, j'aurais pas un petit peu de bois coupé là pour me faire un petit feu. J'aurais jamais cru que c'était pour couper un arbre baptême qui est en plein milieu de la trail. Hey, ça fait partie de l'aventure. Ça naît de l'aventure. Ouh! C'est fini, on essaye ça, cette petite trail là. Hey, c'est une job pas mal propre. Yes, sir! Hey, on peut continuer l'aventure.
Yes, sir. Yes, sir, de la chatte. Ben, j'ai fini par l'avoir. À un moment donné, je commençais à être découragé, là. Ben, beau aimer ça, faire du chemin de terre, mais à un moment donné, il faut que ça aboutisse. Fait que là, on se retourne vers le bord du fleuve, là, ma tante, c'est ça, aujourd'hui mon but. Fait que ceux qui veulent faire cette road trip-là, là, équipez-vous un minimum quand même pour avoir du gaz en masse. Être prêt justement à battre un peu de stock parce que c'est des chemins qu'il n'y a pas grand monde qui fréquente, tu sais pas depuis quand que ça est. Depuis quand qu'il y a quelqu'un qui a passé, puis là, vous avez vu, là, j'ai coupé une coupelle d'arbre, là. Pouf, c'est de la grosse ouvrage. Fait que, tu sais, c'est des fois qu'il arrive quelque chose, une crevaison, tu sais, de la bouffe. Parce qu'il n'y a pas de signal non plus, c'est l'air. Fait qu'il faut être capable de marcher un peu aussi, là, si jamais il y a quelque chose, là. Même si c'est pas le genre de choses que je recommanderais. Je préférerais peut-être attendre que quelqu'un passe, parce que quand même, là, on n'est pas dans le désert, là. On est dans une réserve faunique, il y a des travailleurs forestiers, il y a du monde qui passe quand même un peu, du monde comme moi, là. S'il y aurait eu quelqu'un qui aurait été en panne, j'aurais bien aidé, ça m'aurait fait plaisir. Fait que là, on continue en prenant un beau petit chemin d'asphalte, ça va être plaisant. On va être capable de faire plus que du entre 20 et 50 km/h. Bon, ben, j'ai un char dans le cul, ça fait que j'y vais. Ciao!